Isabelle Morini bosse choquée avec ses propos sur Menel, la chanson en arabe, ça ne s'imposait pas nécessairement. Le 5 février dernier, dans Touche pas à mon poste, les chroniqueurs de l'émission sont revenus sur Menel, jeune candidate voilée de Dovoïts qui a repris en arabe la chanson Al-Uja. Isabelle Morini bosse a tenu des propos qui ont choqué sur les réseaux sociaux. Dovoïts est à peine revenu, et déjà une polémique. Menel, jeune candidate voilée, a époustouflé les coachs de l'émission avec sa reprise en arabe d'Al-Uja. Malheureusement pour elle, des tweets publiés par elle au moment de l'attentat de Nice, publiés en 2016, sont ressortis et ont choqué les internautes. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont revenus sur cette polémique le 5 février dernier, et Isabelle Morini bosse a choqué sur un tout autre sujet. La chroniqueuse a ainsi déclaré, le voile ne me choque pas. La chanson en arabe non plus, même si je trouve que, par les temps qui courent, ça ne s'imposait peut-être pas nécessairement, mais en revanche, ce qu'elle a posté sur les attentats de Nice, ça me choque. C'est cette phrase sur la chanson en arabe, qui n'a pas du tout plu ni à Cyril Hanouna, qui n'a pas manqué de lui dire, l'air très agacé, mais arrêté, ni aux internautes, qui se sont montrés très indignés sur les réseaux sociaux, choqués par les propos d'Isabelle chantée en arabe par les temps qui courent WTF. Chanter en arabe ne fera jamais de quelqu'un un terroriste, encore moins avec une chanson comme Al-Uja, TPMP. C'est drôle, pendant 5 minutes les chroniqueurs de TPMP nous ont expliqué qu'à 17 ans, Menel aurait dû mesurer le poids de ses propos. Mais Isabelle Morini Bosca, 61 ans, ne mesure pas le racisme de sa phrase, Menel n'aurait pas dû chanter en arabe par les temps qui courent. Isabelle qui dérape en direct chanter en arabe par les temps qui courent, ce n'est pas nécessaire, personne de l'équipe la reprend, mais juger une jeune qui a posté des propos maladroits dans sa jeunesse, c'est plus facile visiblement. Merci TPMP, belle preuve de médiocrité.